Chef l'État a adressé une autre lettre par représentant groupe 6 parti politique opposition yo pour yo discuter mercredi 12 novembre dans l'hôtel Caribe Convention Center sous crise politique là. En attendant proposition ça joigne une réponse, Michel Martelly a rencontré jeune vendredi à archevêque métropolitain Port-au-Prince là, monseigneur Guillaume Poulard avec 13 autres représentants organisation ou bien secteur dans société civile là. Rencontre ça, c'est un pas en plus dans solution pouvoir à chercher pour résoudre crise là selon porte-parole présidence là. Lucien Jura, qui était dans le micro, Emmanuel Tolembrina avec Jean-Joseph Nono. On a informé la presse en général et toute population haïtienne que le président Michel Joseph Martelly, dans une correspondance responsive, dans une lettre donc, il écrit à Mgr Guillaume Poulard, qui est archevêque de Port-au-Prince, qui lui-même a signé la déclaration 22 octobre 2014, là, pour Ensongel déjà, côté la dame, lui-même avec 13 autres organisations dans la société civile, là, a exprimé un ensemble de préoccupations par rapport à la situation d'ensemble pays. Là. Et bien, président Martelly est à recevoir le 28 octobre en lettre, en correspondance de Mgr Guillaume Poulard, côté que l'étiment des chefs de l'État pour te rencontrer pour capable avec l'autre monde qui était signé l'aide Sayo, chita discuter sous contenu déclaration 22 octobre là, et sous situation générale pays. Le président Martelly écrit à Mgr Guillaume Poulard pour dire que il recevait l'aide avec un pile satisfaction. Dans le cadre de situation préélectorale préoccupante qui est là actuellement, chef de l'État a relancé l'invitation qu'il a lancé déjà by 6 partis politiques qui ont même représenté dans le Parlement, représentants qui, qu'on connaît déjà, refusé voter amendement loi électorale. Première fois, tu as gagné un petit problème, si vous voulez, parce que tu as une confusion, correspondance, tu as rejoint le sénateur Gentil dans le Parlement, alors que lui-même, il a tenu dans le local parti contre la PEP, ce qui fait que tu as un avortement de rencontre, ça, président Martelly. Présent lui-même dans le Caribe Convention Center, eh bien, le président Martelly lance une nouvelle fois invitation au groupe des 6 partis politiques ayant leurs représentants au Parlement, les représentants qui refusent, je le précise, de voter l'amendement à la loi électorale plus de 220 jours après. Et invitation ça, c'est pour Joukapé mercredi 12 novembre 2014. Là, à 11h dans le Caribe Convention Center. Et la différence qu'il y a entre nouvelle invitation ça et première, là, c'est que c'est des invitations qui sont adressées à chaque responsable de parti politique. Nous voulons parler de M. Jonas Kofi, qui est secrétaire exécutif national du Parti haïtien pour Haïti, Mme Edmond Suplice-Bozil, qui est présidente de la fusion des sociodémocrates, le Dr Maryse Narcisse, qui est coordonnateur national AI, de famille Lavalas, le sénateur Jean-William Gentil, qui est coordonnateur national de contrat PEPLA, agronome Jean-André Victor, lui-même, qui est coordonnateur comité de pilotage MOPOD, et député Levaillant Louis-Jeune, qui lui-même est coordonnateur de INITE, correspondance à eux, côté nous a parlé là, en route vers ses responsables de structure politique, de telle sorte que le mercredi 12 novembre, Kabila, à 11h dans le Caribe Convention Center, chef de l'État a une possibilité de discuter avec eux, Jean, groupe 6 sénateurs, lui-même, l'ITMANDEL, lui et conformément à communiquer qui est sorti dans le Palais National pour dire volonté que le chef de l'État a lui-même pour le parler avec tout secteur dans la vie nationale, là, de façon à ce que nous sommes capables de jouer une vraie formule là, qui peut faire nous arriver le plus rapidement possible à l'organisation d'élections libres, honnêtes, démocratiques et inclusives dans le pays. N'a souligné Mgr Poulard ensemble avec l'autre leader religieux, représentant organisation dans la société civile là et puis quelques personnalités, prend position carré barré pour une entente entre acteurs politiques pour permettre organisation élection yo pressé alors que gen gros menace pour chef l'État tomber mettez décret de yo à partir du deuxième lundi janvier.